rue à Strasbourg que vous découvrez sur ces images génériques réalisées par notre camarade Gérard Van Der Gun pour cette 28e finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe qui va en quelque sorte être un derby qui enflamme le stade de la Méno, un superbe stade, certainement l'un des plus beaux de France, tout neuf puisqu'il a été rénové pour le championnat d'Europe 1984. Et dans ce stade, ce soir, pour cette finale entre le Football Club de Malines aux couleurs sang et or, cher au Racing Club de Lens, et l'Ajax d'Amsterdam, les tombeurs de l'Olympique de Marseille et tenant du trophée, ils sont venus à plus de 40 000 pour assister à ce match. Un match qui promet beaucoup, un derby, alors que la musique du 153e régiment d'infanterie est au centre de la pelouse et fait patienter les supporters des deux équipes qui sont venus en très très grand nombre, qui ont envahi très pacifiquement la capitale de l'Alsace. Et il y a eu énormément de bières de servies aujourd'hui dans la région de Strasbourg, car il fait très beau, il fait chaud, l'ambiance est superbe, et c'est vrai qu'il n'y a rien de plus beau un stade lorsque ce stade est plein, n'est-ce pas mon cher Jean-Michel? Effectivement, mais c'est quand même un stade coupé en deux, et je crois qu'au niveau de la sécurité, les forces de l'ordre ont bien fait les choses, à savoir que côté droit, eh bien, il y a les 100 et hors de Mali, les 100 et hors de Mali, et de l'autre côté, eh bien, il y a les rouges et blancs de l'Ajax d'Amsterdam. Et pour entrer dans le vif du sujet de cette finale, eh bien, on va voir comment ces deux équipes se sont qualifiées pour arriver à cette finale. En commençant donc par les 16e à l'aller, l'Ajax contre les Irlandais de Dundalk, qu'ils avaient gagné 4-0, avec notamment ce but de Blind, un arrière que l'on a découvert lors de la double confrontation entre Marseille et l'Ajax. Malines, de son côté, affrontait le Dynamo de Bucarest. 1-0, ça suffit, but canon de Denbor. Et on est au 16e de finale, là malheureusement nous n'avons pas d'image. Le FC Malines s'était qualifié contre Bucarest et l'Ajax contre Dundalk pour les huitièmes à l'aller. Le FC Malines et Saint-Mirren avaient fait match nul 0-0 pendant que l'Ajax affrontait Hambourg avec un but de Meijer sur ce centre d'Arnold Muren. Johan Cruyff était encore présent et lors des matchs retour, l'Ajax contre Hambourg, victoire des Néerlandais 2-0. Un premier but signé Muren sur une énorme erreur du gardien de but de Hambourg. Ça arrive même en Coupe d'Europe. Et un deuxième but après le repos à la limite du hors-jeu par Meijer encore, qui avait été donc le grand bonhomme de ces huitièmes de finale. Pendant ce temps, Malines était à Saint-Mirren et c'est l'Israélien Eli Ohana qui avait permis donc à Malines de l'emporter 1-0. Et 2-0 sur ce ballon repoussé par le poteau. Eli Ohana qui est très attendu, on dit que beaucoup de recruteurs européens sont venus pour le voir ce soir à Strasbourg. Quart de finale aller. Dynamo de Minsk, FC Malines, une partie héroïque du gardien de but du Dynamo de Minsk, mais un but canon encore de Wild, et 1-0 pour les Belges de Malines. Au retour, donc, on va aller voir l'Ajax d'Amsterdam qui a affronté les Young Boys de Berne avec un seul but, celui du Suédois Peter Larsson. On en arrive aux demi-finales qui rappellent évidemment un bien mauvais souvenir aux joueurs de l'Olympique de Marseille, mais ils auront certainement l'occasion de se rattraper avec un but de Garlini pour Bergame face à Malines. Égalisation de Rudges et un but partout. Finalement Malines l'emportant 2-1 alors que l'Ajax crucifiait l'Olympique de Marseille au stade Vélodrome. Des buts marqués, notamment ce dernier, en fin de match par Bertrand. Et donc les demi-finales retour, on va d'abord aller à Bergame où l'Atalante avait ouvert le score par Carlini. Et Rodgers avait permis à son équipe de faire un match nul. Et vous vous souvenez donc de ce match retour
à Amsterdam avec une première réalisation de Papin. Après que Peter Larsson eut ouvert le score et ce coup franc de Klaus Allof. Et à ce sujet-là, on a enregistré la seule défaite de l'Ajax dans cette coupe des vainqueurs de coupe, alors que le FC Mali, lui, n'a subi aucun revers. Alors que nous nous retrouvons maintenant donc sur la pelouse de la Meino, autour des trois arbitres venus de République fédérale allemande. L'arbitre du centre étant M. Dieter Pauli, l'homme aux cheveux gris, assisté de messieurs Trichler et Schmid-Huber. Monsieur Pauli, vous savez, c'est cet arbitre qui a été rendu célèbre dans le monde entier par une photo où on le voyait face à face avec Schumacher, oui. Et il ne se disait pas que des contrôlés, c'était pratiquement des contrôlés avec ton cul. Voici une équipe de Maline, composition tout à fait classique, avec dans cette équipe de Maline, il faut le souligner Thierry, quelques faux frères, puisqu'il y a quatre Hollandais dans cette équipe. Il y a Van Rudges, il y a Wilhelmus Hawkins, Erwin Kaufmann et Peter Denboer. Quatre Hollandais, plus l'entraîneur Aad de Mosch, qui est lui aussi Hollandais. Alors que l'équipe de l'Ajax, eh bien, c'est exactement la même que celle qui a joué les deux matchs contre l'Olympique de Marseille. Donc une équipe que vous connaissez par cœur, puisque vous avez eu l'occasion sur TF1 de la voir à deux reprises. Donc, lors de ces demi-finales, à l'aller d'abord à Marseille et puis au retour avec notamment les deux fameux ailiers Van Schip et Witschke qui ont fait si mal à l'OM, notamment lors du match aller. Le traditionnel échange des fagnons et puis dans quelques instants, donc cette 28e finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe va commencer. Une Coupe d'Europe dont l'Ajax d'Amsterdam est le détenteur, alors que le Football Club de Malines est à sa première participation dans une Coupe d'Europe et parvient en finale. Coup d'essai, coup de maître pour les Belges qui ont longtemps été en tête du championnat de Belgique, même s'ils ont un petit peu rétrogradé à l'occasion des dernières journées pour laisser la tête à Antwerp pour l'instant à deux journées de la fin. Mais pour situer un petit peu l'état de forme des deux équipes, disons que véritablement on arrive en fin de saison et que l'Ajax d'Amsterdam et l'FC Malines ne sont pas au top de leur forme. L'Ajax d'Amsterdam, vous vous souvenez, a eu une fin de parcours très difficile, se faisant éliminer notamment par une équipe de deuxième division en Coupe de Hollande. Et le FC Malines, qui a longtemps lutté pour le titre, eh bien, ne va terminer que troisième. Cela suffit largement à son bonheur. Mais disons tout de suite que ces deux équipes ont quand même subi les effets et les fatigues d'une longue, très très longue saison, car autant en Belgique qu'à Hollande, il y a une trêve de très très courte durée. Monsieur Pauli fait respecter l'horaire. Le coup d'envoi était prévu à 20h15 précise par l'Union Européenne. Et c'est à 20h15 précise que Monsieur Dieter Pauli va donner le coup d'envoi, permettant à l'Ajax d'Amsterdam donc d'engager cette finale 28e du nom. Voilà qui est fait. Souhaitons qu'elle soit d'aussi belle qualité en ce qui concerne les stades français que celle que nous vous avions fait vivre avec Jean-Michel Larquet à Lyon il y a de cela deux saisons, qui avait été, vous en souvenez certainement, remarquable entre le Dynamo de Kiev et l'Atlético de Madrid. Et qui avait annoncé la grande équipe de l'Union soviétique avec pratiquement tous les joueurs de Kiev. Et une première remarque, Thierry. Vous vous souvenez qu'auparavant, le Suédois Peter Larsson jouait dans l'axe et que c'était Verlat qui jouait sur le côté. Et il y a changement. Et bien Peter Larsson joue arrière-gauche pendant que Frank Verlat joue dans l'axe avec Jan Wouters. Donc l'entraîneur Barry Ulshoff a légèrement modifié ses plans, en tout cas sur le plan défensif. Or, on sait que l'Ajax d'Amsterdam excelle sur le plan défensif et tactiquement. Avec les deux gardiens qui arborent des tenues à faire baver de jalousie notre camarade Jacques Vendroux, nous aurons l'occasion de le voir au cours de cette rencontre. Les deux gardiens qui ont déjà été alertés avec une faute, la première du néerlandais Rudges contre Bosman, et un premier coup franc, une trentaine de mètres du but défendu par Michel Prodhomme. John Van Schip et Arnold Muren, le pied gauche du vétéran. Le pied gauche du vétéran. Oh, faute à l'intérieur de la surface, faute sur Bosman. Oui, involontaire très certainement, mais faute quand même sur Bosman. Monsieur Pauli ne siffle pas. Mais quand on va arriver, il est pratiquement par terre déjà.
Mais c'est vrai qu'il a été accroché indiscutablement en pleine surface de réparation. Et c'est vrai aussi qu'il n'a pas protesté. Football néerlandais, football belge, deux footballs qui se connaissent bien. Les Belges et les Néerlandais, Jean-Michel, se sont affrontés à plusieurs reprises lors des éliminatoires de Coupe du Monde. Ça fait de jolis derbies. Avec un long dégagement de Graham Rudges, l'un des quatre Hollandais, donc je vous le disais, de cette équipe de Malines. Avec les Malinois qui foncent à l'assaut du but défendu par Menzo, qui doit se jeter dans les pieds de Den Boer. Et l'arbitre, M. Poli, lui dit qu'il faut, lorsque le gardien a le ballon, qu'il ait son action. Il ne faut pas laisser traîner les pieds. Or, après cette aile de pigeon, Den Boer, sur cette passe en retrait de Peter Larsson, avait effectivement essuyé ses crampons sur Stanley Menzo. Une touche favorable à l'Ajax d'Amsterdam, c'est Muren qui effectue la remise en jeu. Beaucoup d'engagement physique au début de cette rencontre, Larsson pour l'Ajax d'Amsterdam, avec et un coup de sifflet de M. Poli. Faute de Den Boer qui est bien chaud en ce début de match. Et Paris Ulchoff qui a gardé la barbe. L'entraîneur, le coach hollandais. Toujours le pied gauche d'Arnold Muren. Latéralement vers l'atte. Non, au-dessus du but de Prodom. Un ballon qui file donc en sortie de but. Michel Prodom, l'ancien gardien de but du Standard de Liège, qui avait succédé à Pio. Oui, il y a eu quelques petits problèmes lors d'une affaire de Potvin. Qui est oublié maintenant. Et qui se retrouve en finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe. Et qui est l'un des rares wallons de cette équipe flamande, donc de Mali. Contré au tout dernier moment, Scholten derrière lui, Verlat. Grand pont, il n'arrivera pas tant. Non, il a essayé le grand pont sur Klichters, le capitaine du FC Malines. Mais à 31 ans, Klichters est un joueur d'expérience. Il avait bien fermé l'accès du but, l'angle en tout cas. Et la balle en sortie de but. Rodgers. Pitschke qui a poussé Conrad Sanders, qui avec son numéro 6 joue arrière droit. Alors ne vous fiez pas trop au numéro. Emers au coup franc pour le FC Malines. Cherche la tête de Ohana, avec cet ascenseur un petit peu appuyé aussi. Ascenseur d'Ohana sur le dos d'Aaron Winter et intervention donc de M. Poli. Pour le moment, on joue surtout par de longues balles. Ni l'une ni l'autre équipe n'arrive à imposer son football. Scholten, Pitschke. Ah, il se méfie les joueurs belges de l'ailier gauche de l'Ajax. Ils ont raison. Oui, elle est sortie un petit peu brutale de Sanders là. Juste sous le nez de Monsieur Poli. On se rapproche un petit peu, mais visiblement Arnold Muren va encore rechercher la tête, sans doute celle de Bosman. Voilà qui est fait, mais elle est trop. C'est mal. Le ballon est accompagné par De Ferme. On s'observe, hein, Jean-Michel, oui, dans ces premières minutes. Visiblement, en plus, je pense que tous les dimanches soirs, Malines voit les matchs de l'Ajax. Et l'Ajax voit les matchs de Malines. Donc, ni l'une ni l'autre équipe n'ont de secret. Et on se neutralise parfaitement pour le moment. Winter. Scholten, Muren. Deville qui était revenu. Oui, oui, faute d'Hopken, c'est vrai, qui avait retenu le maillot de Arnold Muren. Uters. Larsson.
pour Léon Plichter. Ça sort bien, mais directement sur Arnold Muren. Arnold Muren qui remet Scholten. Pas beaucoup d'espace. Ohana. Premier ballon pour Veli Ohana et premier ballon perdu. Et un contre qui a failli être favorable. La touche, en tout cas, le sera pour ouais, les c'est... joueurs de Malines. C'est un petit peu brouillon ce début de rencontre. Évidemment, marquage très serré. Sanders fait la remise en jeu. Toujours pour Ohana. Pas de risque, ça va partir loin devant. Oui, long dégagement de Graham Rodgers sur la tête de Wouters. Celle de Bosman. Vous voyez qu'on prend pas du tout de risque. Et de ferme jusqu'à Prodhomme. Ça repart. Ohana ou Larsson. Ohana avec faute de Larsson. Oui, il l'a vu, monsieur Poli, signalé du reste par monsieur Schmidt, Huber, son assesseur. Et un coup franc qui peut être dangereux juste à la limite de la surface de réparation. Hopkins, il y a de bons joueurs de tête, notamment Peter Tenboer, le grand blond. Hopkins qui va prendre son ballon par-dessous, mais ballon contré par Witschke. Ah, et encore Witschke qui vient contrer. La touche toujours faite par Sanders. Cherche le partenaire démarqué de Wild. Non. Witschke. Muren. Ah, bien revenu encore une fois Hopkins. Ils ont l'air plus vifs, hein, les joueurs de Malines en ce début de match, de pacifié. Ohana. Santé, mais monsieur Poli a estimé qu'il était correct. Aaron Winter et un ballon qui sort en touche. Ah, c'est vraiment pas un route d'observation, c'est un route d'intimidation. Lind, Winter, intervention de Emers. Ohana. Ohana toujours, la balle n'est pas sortie. Denbor perd le ballon. Scholten pour Ajax. Winter sorte bien vers Latte. Larsson sur le côté gauche. De Wild met en touche. Pascal De Wild, vous avez vu, un joueur qui a une histoire assez extraordinaire. Fils d'une mère belge et d'un père zaïrois. Et son père a découvert qu'il avait un fils qui jouait au football lors des demi-finales. Car la Coupe d'Europe dépasse les frontières. Et là-bas, au Zaïre, il a appris que son fils était l'un des titulaires de l'équipe de Malines. Larsson remet en jeu. Witschke. Sans faute. Il n'a pas pu contrôler ce ballon. Et pour le moment, aucune équipe n'est capable de jouer collectivement et en profondeur, c'est-à-dire aucune équipe n'est pour l'instant capable d'amener le danger devant les buts, soit de Prodhomme, soit de Manzo. Et on joue la 11e minute de cette finale avec Scholten, Winter. Ah, il était pris parce qu'il était encadré par trois joueurs de Malines et une faute, la faute de Danny Blind. Qui va se faire rappeler à l'ordre par monsieur Poli. Plichters tape le coup franc juste dans le rond central. Il signe à ses partenaires de monter. Plichters, voilà, un petit peu bousculé, reprise de volée. Une bonne reprise de volée. Derwin de Koeman, oui. Encore un des Néerlandais de l'équipe, un garçon âgé de 26 ans. Et qui, bien sûr, qui n'a rien à voir avec celui qui. Eh si, c'est son frère. Oui, mais je veux dire, ce n'est pas lui. Ah non, c'est pas lui. Non. Et en plus, il a joué lui aussi au PSV. Absolument. Ouais, il vaut mieux pas remémorer cette triste histoire. Ces déclarations qui ont fait beaucoup de mal au football. Avec Sanders encore qui remonte le ballon pour les joueurs de Malines, mais on n'arrive pas, comme Jean-Michel le disait, à se rapprocher de ses buts. Winter, Wouters.
toujours dans le dos de Sanders. Vous savez qu'avec cette position, il avait joué un match aller, un très mauvais tour au Marseillais. Et visiblement, il excelle à partir dans le dos du défenseur, car là, Sanders, c'est vrai que Vitigue était peut-être en jeu, il s'est fait surprendre déjà deux fois. Larsson. Du FC Malines. Ballon qui est redonné par un joueur belge qui est en train de s'échauffer, et j'observe sur la pelouse si je vois quelqu'un qui prenne la patte. À moins... C'est au cas où peut-être. Eh bien voilà, il est allé se rasseoir. Il a joué simplement les ramasseurs de balles. Voilà. La touche est toujours pour les Belges. Des tacles très très appuyés. Hopkins fait cette remise en jeu. Voilà dans les 16 mètres. C'est bien fait. Ah oui, le ballon passe devant le but de Menzo. Menzo qui a marqué un temps d'arrêt, temps d'hésitation. Et lui aussi a été fatal à Tenboer. Menzo là qui porte un maillot comme ceux qu'a Pascal Rousseau dans le championnat de France. Oui, avec Olmeta, ils peuvent faire un con. Ah, tous les trois, oui, même tous les quatre, parce que Prodhomme est aussi très très beau. Alors, les temps sont loin où les gardiens de but avaient des tenues qui étaient un petit peu toutes les mêmes. Là maintenant, vraiment, il y a beaucoup beaucoup de recherche qui est faite. Ah, il est bien parti, Denboer, oui. Mais il est beaucoup plus vif, Denis Blind, et beaucoup plus rapide. Winter. À mon avis, il va falloir calmer rapidement les esprits. Oui, parce qu'entre deux fermes. Evan Chip. L'arbitre ne va certainement pas tarder. Là, pour l'instant, c'est des avertissements en parole, mais de la poche va certainement pas tarder à jaillir le carton jaune. Attention à ce coup franc. De ferme. Outer s'écarte le danger. De Wild. Bien joué cette talonnade en pleine course. Denboer contré. Larsson. Et tout Amsterdam et tout l'Ajax est en défense. Obligeant Sanders à mettre en touche. Buren a fait la remise en jeu pour Wouters. Klichters n'était pas menacé. Il a un petit peu raté son contrôle là. Bruges. Blind face à Emers, les deux numéro 2. La touche pour les Néerlandais. Le conseil de Haat, de Moche. Scholten, Bosman. Ah, c'est un petit peu court ça pour Winter. Attention, Scholten s'est engagé. Oui, Lichter c'est là en couverture. Tout le monde est surpris par le rebond. Sentir bien, Emers. Denboer. Emers. Oh, carton. Carton, faute de Blind. Non, il faut... Et il partait au but. Ah, ils sont pas contents les Belges. La première action qui avait perforé. Oui, oui. Et c'est là où le football, malheureusement, n'a pas de règle à la hauteur de la faute, à savoir que Marc Emers a pris ce relais avec Denboer était parti. Et là, Denis Blind. Carton rouge, monsieur Poli. Sort d'entrée, et c'est vrai que c'est une faute grave. Faute très grave, là, en tout cas, monsieur Poli. Il prend ses responsabilités, ce que l'on ne voit pas souvent sur les terrains. Bravo à monsieur Poli, ça n'est pas être pour Ajax ou pour Malines, mais il y avait un indiscutable geste d'anti-jeu, Jean-Michel, et il le pénalise comme tel, parce qu'il allait au but en plus. Oui, mais enfin, je veux dire qu'à la limite, qu'il aille au but ou qu'il n'aille pas au but, c'est vrai, à partir du moment où il y a un geste de cette, de cette amplitude dans la hiérarchie, eh bien... On va revoir cette action. Ici, Denis Blind qui
revenu de son poste derrière latéral. Voyez, il va couper la course de Marc Emers et là il se jette carrément. Jean-Luc Rouget, le judoka, dirait qu'il y a Osotogari, suicide. Oui, mais en tout cas, après un quart d'heure de jeu, l'Ajax se réduit à 10 joueurs, ça va être très très difficile. Tactique un petit peu éventée. Monsieur Pony, non? Il m'a semblé, oui. Oana. Guter s'est donc passé à rien d'elle. Reprise de Koeman à côté. Évidemment, maintenant, toutes les données sont changées pour l'Ajax. Il va donc disputer cette finale à 10. Comme la faute était vraiment caractérisée, Jean-Michel, eh bien, les 20 000, 25 000, je ne sais pas combien ils sont, mais ils sont nombreux, supporters de l'Ajax d'Amsterdam dans le stade de la Méno, n'ont pas protesté. C'est donc la faute leur a paru évidente. Et c'est pourtant rare de voir un carton rouge sortir comme ça. Mais très bel arbitrage de M. Poli, avec encore Emers là. Qui était signalé hors jeu. Avec une faute, oui, ça nous a échappé, ça nous a complètement échappé, mais Gert de ferme est resté au sol. Et M. Poli fait remarquer aux joueurs belges qu'il pourrait y avoir d'autres expulsions, ça ne lui fait pas peur. En l'occurrence, ce joueur belge est hollandais, puisque c'est Graham Rodgers, mais c'est de ferme qui est allongé. Et Lantel Boer est debout, hein. C'est le grand blond qui est debout, oui. Avec le bandage, qui a la genouillère. Le bandage d'élastoplaste au genou. Oui. Et celui qui est au sol, c'est De Ferme, le numéro 9, Gert De Ferme, qui malgré son numéro 9 est un défenseur. Oui, il joue arrière. Gert De Ferme. Il joue arrière gauche, joue avec arrière latéral d'habitude. Et là, ils lui ont donné le numéro 9. Oui. Et Marc Emers, lui, avec le numéro 2, joue devant. Donc, oui. Comme je vous le disais tout à l'heure, ne vous fiez pas trop au numéro, mais c'est bien le numéro 9 De Ferme. Et un mouvement donc qui va être joué là où il y avait eu l'arrêt de jeu par les joueurs de l'Ajax d'Amsterdam, alors que nous avons remarqué dans les tribunes les deux charmantes tenniswoman françaises, Marie-Christine Kaléja et Catherine Suire, qui vont disputer un tournoi à Strasbourg et qui sont des passionnés de football, qui sont venus avec notre ami Monsieur Forestier assister à cette rencontre. Avec Winter là. Et elles en ont pour leur argent parce que le match est maintenant bien lancé. Ok. Reprise de volée de Muren dans les tribunes du côté des supporters de l'Ajax. Le pied droit de Muren ne vaut pas son pied gauche. Alors on dit souvent, Jean-Michel, qu'une équipe réduite à 10 comme ça d'entrée trouve des automatismes et finalement n'est pas trop pénalisée. Quel est votre avis? Je ne suis pas sûr que ce soit le cas pour l'Ajax d'Amsterdam, car vous savez que le collectif prime sur les individus à Amsterdam. Et je pense que la sortie de Dublin va sans doute perturber, de Danny Blin va sans doute perturber le système défensif de l'Ajax, qui avait donc posé tant de problèmes aux Marseillais, notamment au stade Vélodrome. On va voir, avec Klichters là, qui tente d'alerter Hopkins. Muren en contre, avec Bosman. Bosman en profondeur pour Van Chip, son capitaine, mais la balle va aller jusqu'à Michel Preud'homme, qui peut relancer tranquillement. Alors évidemment, on a redistribué les cartes, Verlat est repassé arrière-gauche, Larsson est repassé dans l'axe central, et c'est Arnold Scholten qui est en position d'arrière droit. Klichters. Merci. Elle a cherché Oana. Elle a trouvé Verlat. Wouter. Vichgay. Attention, attention, les Belges sont au courant de cette forme de jeu de l'Ajax. Ils
s'ils se font prendre plusieurs fois hors jeu, ils vont bien réussir à trouver la faille. 22 minutes de jouer déjà, moitié de première mi-temps, 0-0. Et l'Ajax qui joue à 10 après l'expulsion, après 16 minutes de jeu de son arrière latéral droit, Blind, par l'arbitre ouest-allemand, monsieur Poli, pour geste d'anti-jeu caractérisé. Klichters. Koeman. Il cherchait De Wilde, mais il a trouvé la tête de Scholten, grand blond. Oui, ce sera le premier corner de la partie obtenu par Ohana. Et vous savez, Jean-Michel, que Ohana a un fan au service des sports de TF1. Je vous laisse en mille qui c'est. C'est notre ami Martin Zara qui m'a dit avant de partir pour Strasbourg, regarde bien Ohana, tu vas voir ce que c'est. Et c'est vrai qu'il a 20 bonnes premières minutes. Eli Ohana, qu'on avait déjà vu du reste avec l'équipe israélienne contre l'équipe de France lors de ce match Israël-France. Pendant la trêve. Et qui n'est pas tout seul ici, puisque Spiegler, l'ancien joueur du Paris FC, est dans les tribunes avec le président du Racing Club Strasbourg, Daniel Echter. Wouters. On va essayer de donner un petit peu d'air à son équipe, Zo, évidemment. Les occasions d'aller devant le but de Prodhomme vont être très très rares pour l'équipe de l'Ajax. Avec un ballon mis en touche par Bruges là. Haussmann. Muren. Sur le côté gauche, Vitschke, s'il peut arriver à temps. Ballon contré et oui. Corner. Corner estime Monsieur Poli. Et toujours dans le... Dans le dos de Sanders, Vitschke. Le pied droit de John Van Chip. Johnny Van Chip, le capitaine. Elle est bien, c'est Bosman. Bosman. Ouh, un bon coup de tête, mais qui passe à côté, pas très loin, ma foi. Bosman, dont on dit d'ailleurs peut-être que l'année prochaine, il jouera à Malines. Donc oui. Vous voyez que. C'est Roland Courbis qui va être content. Histoire de famille. Ce corner, bonne expansion de Bosman. Et la tête, le coup de tête lui est passé assez loin du but de Michel Prodhomme. Koeman. Ohana. Contré par Winter. Très actif milieu de terrain de l'Ajax. Wouters. Verlat. C'est pas ce que voulait faire Vitschke. Il ne voulait pas donner ce ballon à Menzo, il voulait le donner à Wouters. Allez, devant messieurs, a dit Stanley Menzo, l'athlétique gardien de but de l'Ajax. Et voilà le ballon pour la tête de Bosman, non ? Pour celle de Rudges, Emers, Ohana aux prises avec Scholten. La balle n'est pas sortie. Oui, bien joué. La part de Van Chip pour Winter. Très vite, Winter. C'est un peu loin son ballon. De Wilde. Ah, il bénéficie d'un loupé de Scholten, là, De Wilde. Prise avec Wouters, va pouvoir centrer. Oui, hop, Adelboer. Ah. Oui, maintenant la patate, joué de la part de Larsson. Et Larsson qui sort ce ballon au corner. Larsson au moment où Emers, me semble-t-il, allait mettre la tête. Il a mis peut-être la jambe un peu haut, mais enfin, il a sorti le ballon. Alors que l'on voit Pascal De Wilde enchaîner ici le mouvement, centre en retrait, il y a un cafouillage. Okay. Le tir contré. Vitschke là qui réussit son grand pont. Si la balle ne sort pas, c'est fait.
jeu toujours. Vitch qui est double grand pont, là c'est peut-être un peu beaucoup. Obstruction de Sanders, inutile d'ailleurs sur Vitchke. Non sanctionné par Monsieur Pauli. Denbor remet au centre, sortie de Menzo. Un petit peu fébrile, Menzo, oui. Il a eu des problèmes là pour attraper ce ballon. La balle est un petit peu vivante. Wouters, Verlat. Et toujours 0-0 bien sûr. Et toujours Vitchke dans le dos de Sanders. Il n'est pas sorti Vitchke. Attention, ah là il s'est bien fait prendre par Klichters. Défenseur belge international. Et beaucoup d'expérience, on sent beaucoup de d'œil de la part de Klichters. Hopkins, Koeman. Sanders. Il a encore passé. De ferme qui va pouvoir centrer derrière. Il est passé derrière cette balle. Là, on sent quand même que 11 Belges contre 10 Hollandais sont en train de faire la différence. On voit ici cette charge de Vanchi sur Pascal De Vitt. Faute de rudesse, estime Monsieur Pauli. Découvrant en faveur d'Ajax d'Amsterdam dans le camp malinois. Wouters. Pas grand monde devant le but. Oh. Ah, Bosman. Corner. Tout à fait. Pauli arrête le jeu. Oui, parce que je pense qu'entre Rudges et... Oui, parce que Rudges, me semble-t-il, a la lèvre en sang. Oui. Hein, c'est ça. Tout à fait. Tout à l'heure, au milieu du terrain, il avait pris un coup. Oui. C'est plutôt une petite hémorragie nasale. Un coup d'éponge magique. Rudges. Rudges, le néerlandais, défenseur central, soigné tandis que... Beristeinberg. Oh là, que c'est. Van Beristeinberg, exactement. Wilfried Van Beristeinberg. Kinésie, malinois. Belle race de chien, les malinois. Ça, c'est des belles bêtes. Du reste, il y a des emblèmes là dans les tribunes où on voit quelques exemples de malinois. Et bonne sortie de. Le gardien malinois précisément. Là, pas de temps d'arrêt, il a saisi ce ballon, long dégagement. Pratiquement aux 16 mètres pour Ohana, aux prises avec Winter, et là la faute sera pour l'attaquant israélien du FC Mali. Buren. Bosman. Encore Vitchke, côté droit cette fois-ci. Mais il n'a pas surpris de ferme. Cherche ce qu'il va faire du ballon. Hopkins. Klichters. De ferme. Koeman. Ouais, une belle frappe. Oui, belle frappe de Hopkins, mais à côté du but de Menzo. Il est certain que forcément, en faisant circuler le ballon, les Belges vont créer le surnom. Car il n'y a plus Denis Blind pour colmater les brèches. Mais on ne reviendra pas sur la décision de l'arbitre, M. Pauli. Elle s'imposait. Ah ouais, elle a été parfaite, parfaite, parfaite. Seule petite chose, la seule petite question que je me pose, c'est que là, toutes les instances du football européen, voire mondial, sont présentes dans les tribunes. Donc, M. Pauli a pris cette décision. Je me demande s'il l'aurait prise à l'occasion d'un autre match. Mais en tout cas, bravo, bravo, sans hésitation, à la décision prise par M. Pauli. Klichters. Évidemment, on
chercher les têtes, celle de Boer, avec encore une faute de Eliwana. Eliwana qui fait beaucoup, beaucoup de fautes. Voilà la tribune de presse et les officiels sont juste en bas. Oui, autour de M. Jacques Georges, le président français de l'Union Européenne. Parce que le régional de l'étape, puisqu'il est vosgien, et que c'est lui qui représente. Soit Wanchip, soit Kichter, la 28e Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, qui est l'enjeu de cette rencontre. Scholten qui a mis ce ballon en touche, mais touché au dernier moment. Bien vu. Monsieur... C'est lequel celui-là? C'est Monsieur Trichler. De touche de l'autre côté là-bas. Winter. Bon travail technique de Aaron Winter. Scholten. Uters. Winter à nouveau. Super joueur hein, ce Winter. De ferme. Long dégagement. Oana. Frappe, maintenant il a complètement dévissé. Il va falloir mettre du bleu là sur la chaussure droite de Denbor. Ah oui, mais c'est là où il a son genou un petit peu en mauvais état, là, la jambe droite. Et plus que 12 minutes hein, avant la mi-temps, et toujours 0-0. Avec Scholten, Uters. Ils perdent rapidement les ballons maintenant les Hollandais. Ils avaient déjà du mal à 11 à enchaîner les mouvements. Alors à 10, c'est encore beaucoup plus difficile. Koeman. Oui, bien joué de l'autre côté. Toujours la tête de Denbor. Ouais. Avec beaucoup de fautes. Oui, Denbor qui a tendance un peu comme Oana à céder des bras. On dirait, pour caractériser le jeu des Belges, on dirait que c'est un jeu en force, beaucoup plus qu'en finesse. Un jeu qui engendre beaucoup de fautes de la part des joueurs. Bosman. Klichters. De poitrine un petit peu hasardeuse, s'en est bien tiré Denbor. Johanna reçoit le ballon. Lichters. C'est pas vraiment ce qu'il voulait faire, mais en fait ça va. Bridges. Et vivement la tête de Verlat. Sanders et Koeman qui font filer le ballon jusqu'à deux fermes. Oana à contre Scholten. Ouais, avec une bonne prise de balle là d'Oana. Ouais. Qui reste au sol, secoué, loin du rectangle, par Scholten. Je pense qu'il a pris une béquille. Numéro 10. Mais il se relève. C'est valide. Ouais, il est solide en se tenant la cuisse. Béquille, comme vous l'avez dit. Mais du pied gauche, il peut centrer ce ballon. Dégagement du point. Et encore. Attends. Non, là, c'est en jeu. Qu'est-ce qui se passe là? Où il va mettre zéro? Ah, il va un petit peu insulter les galvaniser, c'est selon ses coéquipiers. Je le voyais partir comme ça. Je me demandais s'il avait oublié quelque chose. Il est allé dire deux mots à Uters. Oui. Semble-t-il, lui, est chargé du marquage de Juan. Hein. Oui. Et il a été lui faire remarquer qu'il ne fallait pas se laisser surprendre comme ça. Néerlandais, évidemment. Tête de Verlat. Et toujours du haut à football de la part des Belges. Ils n'arrivent pas à poser le jeu. Même à 11 contre 10, mais c'est pas vraiment leur style. Oui, écoute, sifflet avec une faute là sur Deville.
et un coup franc en faveur du FC Malines. Klichters. Non, qu'est-ce qu'il a été dire à l'arbitre, il a dit. Alors, la tête de Boer. Celle de Ohana. Celle de Ohana est sortie de Menzo. Et là, Den Boer est bien passé au-dessus. Une sortie un petit peu comme celle qu'avait fait Menzo dans les pieds de Jean-Pierre Papin. Regardez avec quelle vitesse il va. Et il se couche sans trop se poser de questions. Lichters. Rudges. De ferme. Ohana. Toujours avec Scholten. Ah oui, Scholten qui perd le ballon face à Ohana. Et le récupère. Winter. Contré, deuxième tentative de l'autre côté dans l'axe pour Bosman. Bien joué de la part de Rodgers, ouais. Avec beaucoup de sérénité. Beaucoup de sang-froid. Hopkins directement sur Scholten. Obstruction, l'arbitre laisse jouer. Ballon perdu. Klichters. Koeman. Tête de Klichters, Ohana, de ferme. Scholten n'en sort pas de cet axe du terrain, de ce point du terrain. Avec un appel de balle pour Bijgay qui est aux prises avec Sanders. Bosman qui vient à la rescousse. Ils sont deux là, s'il laisse passer le ballon. Oh. Il a voulu le laisser passer, volé, raté de Bijgay. Il y a quelque chose. Il a été accroché, Winter. Sûr. On le reverra dès qu'on aura le temps, mais il a été accroché. Je pense qu'avec la caméra... Denbor dans les 16 mètres. Tout en force, oui. Avec la caméra 8, si mes souvenirs sont exacts, qui est placée derrière les buts, on doit pouvoir voir quelque chose. Là, voilà. Avec ce ballon qui est d'abord dévié par Harold Winter, volé. Ah, il a mis le bras à Rodgers, mais je pense que ce n'était pas aussi grave qu'on avait pu le penser au début. Wouters. Aux prises avec Hopkins. Ah, ça tient debout. Hein. Ça tient debout. Entre Hopkins et Wouters. Tête de Koeman, Winter, Muren. Bijgay. Oui, coup de sifflet pour cette faute de Sanders sur Rob Bijgay. Attaque les 5 dernières minutes de cette première période avec toujours cette marque de 0 à 0. Et Wouters. Le problème de lacet. Ouais, qui se remet son soulier droit. Et Muren qui attend. Jouer, a dit M. Poli. On va chercher la tête de Bosman ou celle de Franck Verlatte. Muren. Verlatte tout seul. Oui. Verlatte tout seul. Corner concédé par Rudges. C'était bien fait. Oui, c'était bien remis dans l'axe. Il était tout seul, Franck Verlatte. Bizarre du reste qu'il était si seul dans la surface de réparation sur ce coup de franc. Petite faute d'inattention en défense du FC Malines. Tout seul au second poteau. Et Rudges a mis en corner. Corner où l'on retrouve donc Rob Bijgay. Oui, Bredom, oh là là, il s'est un petit peu troué, mais il a récupéré le ballon. C'est-à-dire que Bijgay frappe ses corners tellement fort, il est obligé de s'y prendre deux fois là, chez Bredom. Pour Ohana, bien pris par Wouters. Immers, dégagement de Winter. Bijgay le plus vif. Non, là, il a fait un joli plongeon.
Mais c'est vrai qu'il avait quand même pris toute la défense belge de vitesse en partant de derrière. C'est un super joueur ce Robert Mitchell. Sanders. Koeman. De Ferme sur le côté gauche. De Wild. De Wild que l'on n'a pas beaucoup vu au fil de cette première période. Papa a fait le déplacement de Kinshasa pour venir voir jouer le piston, maintenant qu'il l'a découvert. Hein. Ouais, mais j'en suis pas si sûr, je crois que la seule fois où ils se sont vus entre deux avions, ça a duré quelques heures. Et Papa de Ville est reparti aux ailleurs. Bosman, prolonger la course du ballon vers Vitier. Le geste qui a pu donner à Prodhomme, ça repart. Fichter. Koeman, De Ferme, Koeman, même scénario, il y a des espaces sur ce côté gauche, alors on essaye d'en profiter du côté belge, mais c'est pas évident pour l'instant. De Ferme, Emers, également Franchik, Oana, manque de vivacité chez Oana et ballon tout de suite perdu. Aussi Winter, Hopkins, Roland, c'était pas le Hopkins. Il va sortir en sortie de but, dégagement donc de Menzo alors que l'on attaque à mon chrono la dernière minute de cette première mi-temps. Il n'y a pas eu beaucoup de danger sur les buts, aucun pratiquement sur ceux de Prodhomme et très peu sur ceux de Menzo, bien que les Hollandais jouent à 10 depuis pratiquement une demi-heure. C'est Guterres qui va chercher le ballon là-bas. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace entre les publicités. Ce ne sont pas des publicités d'arbitre aujourd'hui. C'est l'UEFA qui organise, alors ce sont eux qui ont la publicité. Directement en touche alors qu'ils devraient s'imposer un petit peu les Belges, calmer un peu leur jeu, mais je crois pas qu'ils sachent le faire. C'est pas du tout le style de Demosch, l'entraîneur. Scholten a fait la jeu. Scholten qui cherche Bosman, Rodgers. L'arbitre ne siffle rien, dégagement Klichters vers l'axe de la tête. Koeman. Vous voyez le ballon, il est là. Emers sur le côté droit. Il est passé. Bon débordement de Hopkins qui va pouvoir centrer, qui centre et coup de tête de De Wild. Et bonne intervention. Et bonne intervention de Menzo. On l'avait pas vu De Wild comme vous disiez. Pascal De Wild qui avait été très discret. Et bien la 46e minute là. On l'a bien vu parce qu'il a été à l'origine de l'action la plus dangereuse. Ouverture d'Emers, centre en demi-volée d'Hopkins, c'est au premier poteau de Wild. La suite de ce corner, si le ballon sort, il est pour les Blancs. Oui, c'est-à-dire pour Winter. Dans les Mezzo qui s'est bien étendu au ras de son poteau. Côté gauche, quelques mètres là. Maximum de fautes pour les joueurs de Mali. Là, c'était De Ferme qui a commis l'irrégularité. De Ferme. Scholten qui va dégager. Scholten qui est passé chez le coiffeur là pour cette finale.
quelques sifflets dans les tribunes bien garnies. Caméno est archi-con. Il fait 21 degrés, comme nous l'indique le tableau d'affichage. Alors qu'hier, il tombait des cordes sur l'Alsace. Ça s'est bien remis aujourd'hui. Il fait vraiment très très beau. Koeman. Dernière action, ou l'une des dernières actions pour le FC Malines. Avec deux fermes là, aux prises avec Van Chip, centre et Menzo qui vient chercher ce ballon. Et coup de sifflet de M. Poli qui indique donc que la première mi-temps est terminée. Et sur cette marque donc de 0 à 0 qui laisse leur chance aux deux équipes, même à l'équipe d'Ajax qui, rappelons-le, joue à 10 depuis une demi-heure. On se retrouve dans quelques instants ici à la Méno. Pour l'instant, ici Strasbourg. À vous Paris, à vous Cognac-G. Alors nous voici de retour à la Méno, super sexy, c'est après le football et on regrette avec Jean-Michel Larquet, on ne sera pas rentré. Mais enfin, je suppose que vous serez devant vos écrans. Pour l'instant, c'est toujours la musique du 153e régiment d'infanterie. Qui est au centre de la pelouse, une pelouse que n'ont pas regagné encore les 21 acteurs de cette finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe, la Coupe qui hésite toujours, qui ne sait pas si elle restera aux Pays-Bas, puisque Ajax, depuis sa victoire face à Lokomotiv Leipzig, l'an passé 1 à 0 à Athènes, un but de Van Basten en est le tenant, ou au contraire, si elle franchira la frontière pour aller en Belgique. Réponse dans 45 minutes maintenant, puisque nous allons attaquer la deuxième mi-temps avec un superbe supporter à moustache, avec des très beaux cheveux et un beau visage bien rouge de supporter d'Ajax. Non, je pense qu'il est plutôt de Malines. Il est plutôt de Malines. Ah, rouge et jaune, oui. Ah, peut-être rouge, jaune, oui. C'est peut-être Malines. Oui. Parce qu'il y a les mêmes... Il y avait le chef d'orchestre de l'Ajax. Notre ami le chef d'orchestre de l'Ajax, oui, que nous avions repéré lors du match retour à Amsterdam, qui avait fait un très très beau numéro sur la pelouse. Au plan sur les chaussures de Michel Prodhomme, vous avez vu comme elles sont bien cirées. Pas de changement ni d'un côté ni de l'autre. Avec la défense centrale, le blond, c'est Larsson. Et le moustachu brun. C'est Yann Wouters. Et c'est reparti donc avec le premier ballon touché par Koeman et de Ferme qui était très actif sur le plan gauche avec Johanna qui vit comme son ombre par Scholten. De Ferme. Ah, le joli tampon sur Van Chip. On n'a pas dû lui en faire beaucoup. À cheval sûrement. Voilà. Donner le ballon à Stanley Menzo. La tête de Bosman dans le contrôle, bien joué, bien joué de la part de Bosman. Un Bosman qui se heurte à Rudges, Hopkins, De Wild. Un petit peu de mal, et De Wild a rentré dans le match visiblement. Et toujours aussi contracté Pascal De Wild. Sanders. Lichters. Rudges. Écarté. Toujours pour De Ferme. Et Koeman. Corner. Erwin Koeman. Un peu dominé dans le jeu de tête les Belges. Il reste dangereux notamment avec Oana et Tenboer. Allez, on va voir sur ce corner frappé par Koeman et coup de sifflet de Monsieur Poli pour une faute sur Verlat. Ils sont tellement dominés qu'ils sont toujours obligés de. Enfin, ils sont obligés qu'ils commettent beaucoup de fautes. Bosman, tête de Rudges et faute de Bosman. Monsieur Poli qui siffle absolument tout et qui fait un très bel arbitrage pour cette finale de la Coupe d'Europe.
des meilleurs arbitres ouest-allemands. Sanders, bon jaillissement de Larsson. De Wild récupère ce ballon. Ah, une bonne balle en cloche pour la tête de Hopkins. Sans problème, et puis organisé. Les dominations territoriales des Belges. Merci Maline. Bonne interception là de Emers avec Sanders, avec Koeman, avec Deferme. Face à Van Chip, Koeman. De ferme. Circuler le ballon, cherche la faille. Évidemment, il cherche le décalage, les Belges. On entre directement dans les bras de. Dans les buts et dans les bras de Menzo. Avec chauffement pour Bergkamp, Dennis Bergkamp. Ce joueur qui avait marqué donc le troisième but à Marseille, alors qu'il venait à peine d'entrer sur le terrain. Scholten. Le coup de sifflet de M. Poli pour une faute de Ohana. Une de plus sur Arnold Scholten. Ah oui, si on avait des statistiques, on s'apercevrait qu'Ohana a commis un maximum de fautes. Ah, il faut jouer rapidement. Ohana. Oui, la tenaille, non, non, elle est blanche. Deuxième mi-temps qui a du mal à démarrer. Scholten, genou pour Wouters. Hors-jeu de Vitschke, mais non. Pas de Van Chip. Hors-jeu de Vitschke, mais pas de Van Chip. Il va ajuster son centre. Bon jaillissement de Winter. Mais ballon au-dessus du but de Prudhomme. Belle action là de la part de l'Ajax d'Amsterdam. Avec un centre brossé de Jolly Van Chip. Et un jaillissement en tête plongeante un petit peu à la manière de Losada, le joueur de l'Espagnol qui avait marqué le troisième but lors de la Coupe UEFA, match aller. Car ce soir, eh bien, on va distribuer le premier des trois trophées. Vous savez qu'il y a trois coupes, les vainqueurs de coupe, la Coupe des Champions et la Coupe UEFA. La Coupe UEFA, on a joué le match aller, c'était à Barcelone et l'Espagnol de Barcelone a gagné 3-0. Il y aura un match retour dans 8 jours très exactement à Leverkusen. Et enfin, la Coupe des Champions, oui, dans 15 jours, se déroulera tout près d'ici à Stuttgart. Le PSV Eindhoven et Benfica. C'est une coupe qui sera retransmise par nos camarades d'Antenne 2. Van Chip qui fait la remise en jeu. Winter. Coup de sifflet encore de M. Poli. Avec un nouveau coup franc. Et Winter qui tire la jambe. Qui s'est frotté sur le rugueux Rudges. Qui fait vraiment pas de cadeau à ses petits compatriotes. Je pense que les occasions étant très rares, Vitschke va essayer de le frapper directement avec un mini-mur à un joueur de Pascal Deville. Chip, il a cherché la tête de Verlat, mais ballon qui est sorti, en sortie de but, estime M. Poli. Alors que l'on joue la 7e minute de la deuxième mi-temps. Belges qui repartent à l'assaut, qui bien qu'en surnombre n'ont toujours pas trouvé la paille. De ferme. De Eliouana, tendu, puissant.
puissant devant le but, très très loin du ballon. C'est d'ailleurs un petit peu le même but qu'avait marqué Marco Van Basten l'an passé pour l'Ajax, justement contre Leipzig. Mais là c'était pour l'Ajax, et en tout cas but qui donne l'avantage et qui ouvre le score donc dans cette finale après 53 minutes de jeu. Mais voilà, Pieter Den Bor. Muren, Bridges, Van Chip, sur le dos de Koeman, contre de Den Bor. Ohana, l'homme par qui le danger est arrivé, dribble contré par Scholten. Kichters. Très rassurant, Léo Kichters, hein. Oui, avec ses 32 ans. Maître de la défense. Bon ballon pour Arnold Muren instantanément dans l'axe. Sur la tête de Winter. Koeman à la lutte avec Van Schip. Richter se dégage. La partie qui s'est emballée d'un seul coup parce que maintenant Ajax a un but de retard et se doit de prendre tous les risques. De ferme aux prises avec de Winter. Scholten en touche. Le même travail, mais là il a oublié le ballon. Bosman, Guterres, Menzo, Muren. Alors qu'on s'agite du côté de Kop néerlandais. Oui, on essaye de se bouscule du côté des grilles. De l'ordre sont présents, essaye de faire reculer les supporters néerlandais. Il ne faudrait pas qu'il se passe des choses graves ici. Voilà. A préciser aussi que Pieter Den Bor est lui aussi néerlandais. Qu'il a joué à l'Excelsior de Rotterdam, qui est un club connu. Par contre, il a joué également au Xerxes. Elle est un peu moins. Mais pas sur mes tablettes. Non, l'exercice c'est non plus. Elle est lourde. Peut-être sur celle d'Alain Leblanc, là, qui est notre maître à tous, là, mais l'exercice c'est plus difficile. Coup de tête de Verlat, Vichgué, Guterres, Muren, long ballon. Là, c'était dans le dos des attaquants. Bon contrôle de Pascal De Wilde. Ah oui, mais pas passé de Wilde. Reste au sol, secoué par Scholten. Et Den Bor fait signe à M. Poli de venir du côté de Wilde. Pendant ce temps, oui, Van Chip, le capitaine, sort. Je pense qu'il va donner son brassard à Jan Guterres. Dennis Bergkamp. Bergkamp qui avait crucifié, comme vous le rappelez Jean-Michel tout à l'heure, l'Olympique de Marseille. Bombe glacée de Von Berichtenberg, le soigneur, sur le mollet de Pascal De Wilde. Ça marche toujours. On trouve à peu près les mêmes médicaments et l'éponge magique. Ouais. La bombe glacée. Ouais. Et quel que soit l'endroit, que ce soit à Strasbourg, en Alsace, en Belgique, dans le sud-ouest, à Saint-Jean-de-Luz, ça marche partout. Emers pour Hofken, c'est non. Larsson le premier avec Menzo. Muren. Il en fait aussi pas mal, Rudges, oui, à des fautes. Hein. Oh oui. Oui, monsieur Poli, il a l'œil, mais ça va faire un carton, oui. Parce qu'à part le carton rouge de Blind à la 16e minute, il n'y a pas.
pas eu d'autres cartons de sortie pour l'instant. Percée pour la tête de Verlat ou celle de Bosman. Et une intervention de Michel Prodhomme, car la tête de Yann Bosman était en plein dans l'axe du but du gardien belge. Bien placé, sans problème, Hopkins. Par sécurité, Michel Prodhomme s'est couché sur ce ballon. De ferme, c'est leur mise en jeu. Tête de Oana. Personne du côté de Malines. Et Muren pour Ajax. Bertrand. Son premier ballon. Wouters, néo-capitaine. Hopkins. Klichters. Changement côté belge. Dennis Maker. Wouters. Et la balle en sortie favorable à l'Ajax Amsterdam. Voilà. Pascal De Wilde, oui, qui n'était pas vraiment dans son assiette. Devant dans son assiette. Tout à l'heure a pris un coup en plus. Le voilà Pascal De Wilde, celui qui a retrouvé un papa grâce à la Coupe d'Europe. Belle histoire que celle de Pascal De Wilde. Mais aujourd'hui, il a dû jouer son match 10 fois, 20 fois dans les nuits qui ont précédé cette rencontre, Pascal De Wilde. Et il a un tout petit peu manqué son match. Garçon généreux. Par Paul de Messmaker, numéro 16. Un changement donc de chaque côté. Et un nouveau coup franc pour Arnold Muren. Alors que l'on vient de passer le quart d'heure de jeu dans cette seconde période. Tous les grands gabarits y sont montés, notamment Larsson, Verlat, Bosman. Mais Prodhomme est là qui va se saisir de ce ballon en ayant bien anticipé sur le coup de pied de Arnold Muren. Alors de Pessmaker, de Messmaker. Oui, Pessmaker, c'est autre chose. Oana. Changer le jeu, oui, complètement. Kemal qui renverse vers le côté de Sanders là-bas qui peut centrer pour la tête de Oana. Et bonne tête. Bien prise par Menzo. On le sent moins serein que d'habitude, hein, Menzo. Là, vous voyez, il est un peu mal sur ses appuis et il a piétiné. Oui, mais il est certain que Blind joue un rôle important dans cette défense de l'Ajax. C'est le fait qu'il ne soit plus là. Voilà, Pascal De Wilde qui avait 100. Non, il avait mal aux adducteurs, notre ami Pascal De Wilde. Le mal, c'est le mal des footballeurs. Un mal qui se révèle surtout en fin de saison. Scholten, Bergkamp. Bergkamp, pas mal. Voilà, attention, allez, petit carton. Allez, ça il sera jaune. Oui. Mais pour Sanders. Je veux dire que Sanders s'est pas privé quand même depuis le début du match. Oui, Rudges non plus du reste. Et Oana, sans des fautes moins graves, mais pas mal non plus. Il a multiplié quand même les accrochages. Tandis que là, tacle par derrière. En fin de match, ça va sortir. Denis Bergkamp. Il écarte là-bas pour Verlat. Verlat en position d'ailier gauche là-bas qui va pouvoir centrer. Directement sur Klichters. Le Messmaker, longue balle en avant vers Oana. Mais c'est Wouters qui est le premier sur ce ballon. Scholten. Avec Winter, ah non, il a pris tout le monde à contre-pied. Winter. Kuman fait la. Non, on fait un essai à deux pertes. Le Belge qui essaie vainement maintenant de se mettre à l'abri, car évidemment, s'ils arrivaient à réussir le break. Ah oui, de ferme.
reprise avec Scholten. Faute. Il n'a pas sifflé, monsieur Poli. Alors corner. Est-ce qu'il pouvait espérer de mieux? Il avait réussi quand même à faire la différence. Et les adducteurs de Pascal Deville avec la glace. Okay. Sur ce centre, tête de Denbor au-dessus des fenêtres. Il y avait Rudges là qui était menaçant devant le but néerlandais et la balle est passée loin au-dessus. Guterres. Bon oui. Ballon, dommage, mauvais contrôle de Berlin. Difficile de ils ont quand même récupéré le ballon. La balle arrivait vite. Hein. Décalé, Bosman au second poteau. Ouais, c'est un peu long, mais la balle ne va pas sortir. Il y va, Bosman. Il ne va pas sortir. Elle est toujours pas. Là, elle est sortie. Bergkamp, c'est leur mise en jeu. Longue touche. Et pour la tête de Bosman. Non, il se ravise. Il se ravise une seconde fois, non. Vichgay. Bosman n'a pas pu avoir ce ballon sur la remise de Vitguet. Oui, la tactique est bien simple. Les Prodhommes, dès qu'il a le ballon, c'est forcément et systématiquement loin devant pour Oana ou pour Peter Den Boer. Le buteur de la 53e minute, Guterres, ramène le ballon jusqu'à Menzo. Faute encore de Sanders et faute de Vichgue. Mais bien arbitré, c'est très bien l'arbitre monsieur Poli, car la première faute est bel et bien de Sanders. Et tout ça se déroule sous l'œil attentif de Michel Platini, oui. Nouveau conseiller technique auprès de l'UEFA. Oui, et nouveau numéro 10 du variété, qui ne sera pas malheureusement demain au Tréport, mais l'équipe belle elle y sera. Mais il a grossi, non? Pas du tout. Non. La minute. Son jubilé approche, Michel Platini. Ce sera le lundi de Pentecôte à Nancy. Et le quota du football mondial sera présent en Lorraine à cette occasion. Oana prolonge ce ballon de la tête. Scholten, Larsson. Il dirait deux jumeaux, hein, Scholten et Larsson. Oui. Encore une faute de Rudges. C'est un duel impitoyable que se livrent Bosman et Rudges, les deux néerlandais. Mais l'un joue pour l'Ajax, c'est Bosman, l'autre pour Malines, c'est Rudges. Avec Scholten au coup franc. C'est rare qu'il n'ait pas frappé par Muren. Hésité un petit peu là. Bosman. On va dégager loin devant, pas changer la tactique qui n'a rien donné jusqu'à présent. Larsson, Muren. Muren qui va avoir 37 ans, qui au contraire d'Alain Giresse a décidé de faire une année de plus. Il va peut-être même être dans les 22 néerlandais au championnat d'Europe en Allemagne le mois prochain. C'est extraordinaire. Ron Winter qui garde ce ballon. Enfin, son équipe. Scholten fait la remise en jeu. Winter, Scholten. Donner à Bergkamp, nouvelle occasion pour Scholten. Oui, c'est bien joué ça pour Bergkamp. Oui, dans les 16 mètres, on va pouvoir centrer. Dommage pour Bergkamp, c'est pas terminé, mais il avait une bonne Guterres. Occasion. Centre à son tour, ah là c'est perdu. Hopkins laisse pour Oana, alors que Bergkamp vient essayer de reprendre ce ballon. De ferme. Ouais, il s'est fait enfermer pour rien du tout et ballon pour les Hollandais. Oui, avec une faute de Oana. Devinez de qui? Ah oui. Deli Oana. Et il semble bien quand même que les Hollandais, menés au score et réduits à 10,
C'est plutôt eux qui dominent. Oui, ils sont plutôt eux qui mettent la pression maintenant. Mais le temps passe. 23e minute de jeu. Witschke, Bergkamp qui va sur ce ballon avec De Ferme. Il a laissé jouer. Sanders et la touche. Même s'il prend son temps de ferme, il sera décompté. C'est Bergkamp, Winter. On risque là, Ron Winter. Merci monsieur, U2. Oui, avec l'arbitre. Interception de l'arbitre. C'est parti du jeu. Ballon récupéré par les Hollandais. Les Néerlandais, plus exactement. De Denis Bergkamp tout seul à Ron Winter. Il n'a pas saisi sa chance. Ouais, sur le dos de Ferme, toujours les Néerlandais avec Muren, Bosman. Petite obstruction de Winter. Enfin, ils pouvaient pas passer. Ils ont protégé le ballon. Oui, mais là, ils n'ont pas fait action de jeu devant le ballon en empêchant donc Winter de s'en saisir. Domination des Hollandais là depuis 5 bonnes minutes. Bergkamp. En fait depuis que ce Denis Bergkamp est entré sur le terrain. Avec ici Larsson. Oui, bonne quelle action. Superbe tir de Bosman et parade extraordinaire de Brode. Superbe montée de Larsson. Et superbe intervention de Michel Prudhomme. Larsson en relais avec Witschke et en profondeur pour Bosskamp. Bosskamp, c'est un ancien. Bosman est volé bien plaqué au-dessus de la transversale par Prudhomme. Oui, il a sauvé le coup, là, Michel Prudhomme, justifiant par là même son titre de meilleur gardien de but du pays en Belgique. Witschke. Bosman qui est un petit peu emmêlé les jambes là, mais pas fini, toujours le néerlandais. Et encore Prudhomme qui jaillit. Ah, les néerlandais font tout ce qu'ils peuvent pour égaliser. Alors qu'il reste 20 minutes, un peu plus. Ce centre de Frank Verlat sous la menace de Witschke. Qu'il a cherché son capitaine Wouters, mais ballon pour les Belges, Hopkins, Emers, Oana. Ouais, un petit peu bousculé par Larsson, ballon toujours belge, Emers, Oana. De Mesmaker, mais ils sont plus, ils sont davantage dans le coup là, les Hollandais. Ils jouent leur va-tout. Et oui, en continuant comme ça, ils pourraient fort bien revenir à la main. Parce qu'il reste quand même pas mal de temps. Emers. De Mesmaker. Bruges. Lichters. Bruges. Le ballon à nouveau pour les joueurs de l'Ajax par Bosman là-bas. Ah, il a poussé trop loin ce ballon. Un changement. Il s'agit de Henny Meijer. Ce joueur qui avait marqué deux buts contre Hambourg.
Et on fait sortir du reste un défenseur pour un attaquant du côté de l'Ajax. Ça veut dire que Barry Ulsoff a décidé, sentant que son équipe peut marquer, d'accentuer encore le potentiel offensif. Je viens de remarquer quelque chose là, qui m'avait échappé. Les deux équipes jouent sans publicité. Alors je crois bien qu'on a le droit de jouer avec la publicité toutes les phases éliminatoires, mais qu'en finale, les clubs n'ont pas le droit de participer avec, de jouer avec la publicité. Ohana. Et si ça en sort, il est très fort, mais ça n'est pas sorti. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas très fort. Non, mais la touche de toute façon est pour Mali. Sanders cherche Ohana, trouve Larsson, progressé de 20 mètres. Ohana, cette fois-ci elle est pour les blancs. Mitch Gay. Du côté de l'Ajax, Wouters, Muren, Bosman, elle a voulu prolonger. Oh et oui. Non, il n'a pas pu arriver à temps. Mais c'est vrai que lui vient de rentrer. Geiger. Meiger. Henny Meiger. Il a du jus. Et c'est sûr qu'on va lui donner des ballons dans ce dernier quart d'heure qui va commencer dans quelques instants. Alors que notre changement est intervenu, côté et le dernier d'ailleurs, les deux équipes ont brûlé toutes leurs cartouches. Paul Tennis est rentré. Il me semble bien que c'est Wilhelmus Hofkens qui soit sorti. Donc on ne peut pas repartir à la main, on va dégager loin au pied. Bergkamp. Non. Pas pu aller prendre ce ballon, Bosman. De Ferme fait la remise en jeu pour Maline. Et comme il a volé, ouais, trop volé de terrain, la balle change de main. Bergkamp. Meiger. Bonne carte à jouer pour ce joueur. Bergkamp. Corner. Petit peu de panique. Cédé par Coman, oui, parce que le FC Maline n'était pas favori de cette finale. Or, il semble que la victoire est là. Et maintenant qu'ils sont en position de favori, c'est un petit peu plus difficile pour eux. Vitschke. Denbor, long dégagement vers Ohana qui est seul en pointe aux prises avec Wouters. Et les défenseurs néerlandais sont très très rapides. Scholten. Wouters. Larsson. Bergkamp. Scholten. Et il va sortir Podom. C'est bien dégagé au point. Il faut vite revenir maintenant. Et Merz qui dégage une nouvelle fois. Ohana, Meiger. Il a laissé l'avantage Monsieur Pauli dans le dos encore. Vitschke. Bergkamp. Fichters, une faute. Mais peut centrer Bergkamp. Elle n'est pas sorti. Le juge de touche n'a pas levé son drapeau. De l'autre côté, Bosman. Elle est sortie. Sortie, mais pas sortie de but. Sortie en touche en faveur de l'Ajax d'Amsterdam. Muren va faire la remise en jeu. Vitschke. Ouais, faute. De Koeman. Le seul joueur à évoluer avec le maillot par-dessus le champ. C'est à retourner. Le pied gauche de Muren. On s'est précipité au premier poteau. Et sur le second. Mais il n'a pas pu prendre ce ballon. Elle reste blanche.
Scholten avec Bertrand. Scholten. Assez d'espace pour s'ancrer. Il va s'ancrer en se mettant sur les pieds gauches. Oui, un bon tir de Witschge, mais à côté du but de Prudhomme. Commence à chanter, on a gagné, c'est peut-être un peu tôt. Un peu tôt, il reste 12 ouais, minutes, ouais. D'autant ouais. Que depuis pratiquement un quart d'heure, ce sont quand même les Hollandais qui sont les dominateurs. Lichters. Sur la tête de Larsson. Winter. Bergkamp. Major. Il attend un petit peu de renfort, Major, là, parce que là, ça va être difficile. Hein. Et il s'en sort bien. Bosman. Ah, une petite faute. Là, il a été écarté du bras par l'éternel Rudges, là. Il ne l'a pas quitté d'une semaine. Deux contre deux. Deux contre deux avec le ballon dans les... Non, il n'a pas été assez vif, Elio Alain. Oui, parce qu'il se mettait en position de hors-jeu d'abord. Ça repart. Larsson. Witschge. Football, hein. Ouais. Un petit coup de boule, Larsson au passage, mais c'était pas volontaire. Winter, Bergkamp, elle est blanche. Ah, ils sont Ils vont au bout d'eux-mêmes. Physiquement, ouais, ouais. Les Hollandais. Ils vont au bout d'eux-mêmes, les hommes de Barry Ulsoff, à l'image de Scholten là. Voilà. Enfin, une bonne relance de la défense belge. Avec Denvor là, aux prises avec Wouters, il est plus rapide Denvor, mais il tire à côté. Il tire à côté et aucun soutien. Avec 10 minutes rapide de Stanley Menzo. Et oui, il reste 10 minutes Jean-Michel. Tout juste, peut-être un peu plus si Monsieur Poli rajoute quelques arrêts de jeu. Et toujours 1-0 pour Mali, Major. Bertrand. Toujours les meilleures attaques pour les Hollandais, il suffit que je dise ça, ouais. Pour que Denis Bertrand manque sa place. Ça arrive, et on se presse pas du côté de Malines pour aller faire la remise en jeu. C'est-à-dire qu'on se passe surtout pas du côté des ramasseurs de balles. Hein? Sanders. Keumann. Larsson qui remet Winter. Non. À 3 contre 2. 3 contre 2. Il est hors jeu, Elio Hanna. Eh oui, il était hors jeu, ce qui a provoqué l'hésitation de Peter Denbor. Avec un carton qui va sortir pour Denbor, le buteur. Et sans doute pour Desmo. Toujours Desmo. Encore Desmo. 0 pour l'UFC Malines. Et bonne sortie de Prodome là. Alors que après avoir paru très très menaçant, avec notamment ce tir de Bosman détourné en corner par Prodome. Là, il n'est pas en jeu, il n'est pas en jeu, encore Denbor, une bonne occasion. Là, il est hors jeu, que c'est mal joué. Mal joué, mal joué, il peut prendre encore un avertissement de Massmaker. Denbor qui n'aurait pas dû remettre. Et oui, il ne fallait pas redonner ce ballon, ou bien fixer le défenseur. Major.
La touche est pour les Blancs. Bergkamp l'a fait. Là, c'est à l'abordage maintenant du côté de l'Ajax. Gouters. L'abordage, non, il ne surprendra pas. Michel Prodhomme. Bon, tout son temps pour dégager le plus loin possible, mais les Belges n'arrivent plus maintenant à remonter. Personne. Gouters. Hitzke, contré. Encore un ballon de contre, vont-ils en profiter cette fois-ci? Le matchmaker a appelé le ballon, il faut s'écarter. C'était un bon ballon là de Sanders pour Denbor, c'est pas fini de Messmecker. Bonne intervention de Winter. Bergkamp. Il a du champ devant lui, il remonte le terrain. Sur le côté gauche, c'est Meijer, bien pris par Emers. De Messmecker et Bosman. De Messmecker. Il est fatigué Arnold Muren, fatigué, c'est dur à 37 ans, une finale de Coupe d'Europe à 10. Il y a encore un ballon perdu, comme dirait Salvi Akalbaladejo, il vendange un maximum de ballons. Ouais. Bertrand. Yes. Tranquille, c'est vraiment... à l'abordage et du côté du banc de touche de l'Ajax, on dit devant, poussé devant. Bergkamp, ouais, faute. Faute de Léo Plichters, le capitaine. Ouais, les deux entraîneurs, enfin plutôt les deux assistants. Les deux assistants se sont touchés la main. Ceux de l'Ajax, celui de l'Ajax et celui de Malines. Scholten. Tenaille là, bien décalé, Wouters. Bon centre pour Winter. Oh, à peu près. Au bras du poteau, Aaron Winter. C'est bien joué, superbement fait. Des points de réussite du côté de l'Ajax. Car la balle là n'est pas passée loin. On le revoit ici, bon centre, bien brossé. Regardez ça. Ouh. La balle, et en plus, Michel Prodhomme n'avait pas bougé. Non, il était battu. Mais ça, c'est... Quand vous avez la réussite... supporters de Michelin ou de Malines qui se réveillent avec Ohana en pointe, avec Scholten qui détourne ce ballon. Gouters encore. L'épreuve physique tourne à l'avantage des Hollandais, même s'ils ne sont que 10, même s'ils sont toujours menés. Larsson, Bosman. Ah, Winter qui n'a pas pu frapper ce ballon. Gouters qui est là, qui frappe à son tour. Il aura fait un grand match, Wouters, qui a hérité du brassard de capitaine. Là. Ah oui, il est devant, il est derrière, il est partout. Il joue arrière central, il joue milieu de terrain. Le ballon rendu par les supporters belges à leur idole Michel Prodhomme. Alors qu'il reste à mon chronomètre moins de 4 minutes à jouer. Ça va devenir de plus en plus difficile pour Ajax. Qui ne sera donc pas la première équipe à remporter deux années de suite la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Qui est à la traîne. Non, mais il a laissé jouer monsieur Poli. Confiance en Benzo. Un abordage de la tête de Bosman. Ouais. Bosman qui est pris une nouvelle fois par Rodgers. Ohana sur le côté droit là-bas avec Winter qui revient, mais moins vif qu'au début évidemment. Ah oui, mais le nombre de kilomètres qu'il a parcouru ce Aaron Winter, c'est phénoménal. Il peut s'engager pour le marathon de Paris, il fera sans doute une bonne performance. Koeman, Rodgers, Sanders qui vient se faire attaquer par Bosman, mais c'est lui qui fait la différence. Le petit coup de règne n'est plus là. De ferme avec Bertrand. Il a donné le ballon monsieur. Ah non, il donne le ballon à De Ferme. Ouais. Non, le ballon n'est pas pour lui. Il le croyait. Le ballon il est pour Malines. Dépêchons-nous, semble dire monsieur Poli. Oui, il y a un accrochage, je sais pas. Accrochage du pied de Ferme par.
Koeman. Koeman tire ce coup franc. Ballon récupéré par Sanders dans les tribunes. Et son célèbre maillot qui ressemble un petit peu au logo de TF1. Ouais. Il est beau en tout cas. Scholten. Voilà. Il s'est transformé carrément en libéraux. Joueur supplémentaire de champ. Ouais. En fait, il a raison parce que même s'il y a un contre, si ça fait 1-0 ou 2-0, le résultat est le même. De Messmaker qui envoie la balle loin dans les tribunes. Derniers efforts défensifs pour les joueurs de Mali. Les dernières poussées offensives pour ceux de l'Ajax. Et 44 minutes de jouer. Le carton jaune à Yann Wouters. Pour Wouters. Et ils se comprennent. Hein. Oui. Le flamand, le hollandais, le néerlandais, l'allemand. Ils doivent avoir certains mots communs. Meijer. Turek. Wouters. Avec Denboer qui était venu. Wouters encore. Meijer. Là, il a perdu le ballon. Il le récupère, Meijer. Peut bon donner ballon, à Turek. S'il a le courage et la force. Il a eu le courage, il n'a pas vraiment eu la force et il obtient un corner. Le dernier sans doute, celui de la dernière chance, ils montent tous. Menzo est au milieu du terrain. Ouais, monsieur Boutias va se faire expulser. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des choses, il a dit des choses que l'on ne peut pas entendre. Attention, hein. Monsieur Foli. Du coup, on retire le corner. Voilà, et à côté, la tête de Scholten, relevée par Denboer, beaucoup de sportivité sur le terrain. Alors que le temps réglementaire est maintenant dépassé. Et que la montre de Haag de Moche, l'entraîneur de Malines, indique la même chose. Et on joue les arrêts de jeu, il y en a eu pas mal. Des petites 30 secondes par-ci, 30 secondes par-là. Menzo. Longue balle en avant pour la tête de Bosman. Meijer. Attention. De Messmaker, mais elle sort la balle. Monsieur Poli siffle la fin du match. Il siffle la fin du match et donc sur la victoire du Football Club de Malines qui réussit un 100%. Première apparition en finale d'une Coupe d'Europe, première participation européenne, premier succès. Le FC Malines donc qui succède à l'Ajax d'Amsterdam en l'emportant par 1-0. Un but de Denboer marqué après 53 minutes de jeu. Nous allons, je pense, garder quelque peu l'antenne ici à Strasbourg car il nous faut voir quand même M. Jacques Georges remettre la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe à Léo Clichters, le vainqueur de ce soir, alors que bien déçu, les supporters de l'Ajax vont saluer leurs supporters. C'est bien, c'est un beau geste. Et le FC Malines qui n'était qu'une équipe anonyme il y a 4 ans, qui a été prise en main par un président qui s'appelle Monsieur Cordier et qui aujourd'hui remporte la Coupe des Coupes pour sa première participation, comme vous le disiez Thierry. C'est quand même une très très belle aventure que cette équipe belge d'une petite ville, on peut le dire, ce n'est pas péjoratif, à peine 100 000 habitants entre Bruxelles et Anvers. Ne dites pas des petits avec les Belges. Ah, non. Vous avez vu qu'ils sont très susceptibles. Ce ne sont pas les petits. Non, mais enfin, je veux dire, c'est ni Bruxelles, ni Anvers, ni Liège. Mais c'est une belle ville de football, alors que les supporters de l'Ajax, bien que déçus, saluent leur équipe et que Haag de Moche est porté en triomphe par ses joueurs. C'est une belle journée, une belle soirée. La bière va couler à flot.
du côté de Malines et dans toute la Belgique. Peut-elle couler davantage qu'elle n'a coulé aujourd'hui à Strasbourg. Oui, mais encore, il y a des... Y a avec des Michel Barraud, le photographe de 11, qui est là au premier plan. Il y a des arrêts entre Strasbourg et Malines, ça c'est sûr. Pour immortaliser la joie, termine Coman, le haut, l'un des quatre Hollandais, avec Eliohanna, l'Israélien, Den Boer, le Hollandais, but, le seul but de la Royal Sporting Club d'Anderlecht et le Standard de Liège. Alors qu'au centre de la pelouse, eh bien, monsieur Jacques Georges va remettre la Coupe d'Europe, 28e du nom. Que Spiegler me faisait remarquer que Ohana était le premier joueur israélien à gagner. C'est vrai. Car c'est il y a un dénommé Pissanti qui avait joué contre le Real Madrid il y a deux ans une Coupe UEFA, mais qu'il avait perdu. Là, il entre dans l'histoire. Et monsieur Jacques Georges, alors que vous voyez la joie bien sympathique de Prudhomme, Michel Prudhomme et de ses coéquipiers de Wilde, voici monsieur Jacques Georges. Le président de l'Union Européenne de Football Association. Un petit peu tendu, le président. Monsieur Van Gartner, le secrétaire général, est à ses côtés. Et c'est lui, donc, qui va remettre... Voilà le visage, le beau visage de Peter Larsson. Pas trop déçu. Un petit peu. Il vient de dire à Thibaut Bosman, il avait marqué cette option. Si Blind ne s'était pas fait expulser, enfin, avec des si... Ajax n'aurait peut-être pas gagné la coupe l'an passé. C'est un coup oui, un coup non. Enfin, et belle prestation également, Jean-Michel, il faut le signaler, du service d'ordre autour du stade de la Méno. Car on ne voit personne n'ayant rien à y faire sur la pelouse. Et grâce à ce but, la coupe des coupes quitte les Pays-Bas pour la Belgique. Dans les bras de Léo Clijsters, 31 ans, défenseur international du FC Malines. Le FC Malines qui ce soir, donc, sous vos yeux, a battu l'Ajax d'Amsterdam par 1-0, but de Den Boer. Par contre, Witschge, lui, il en a pris un petit coup, là. Oui, ils sont certains à être bien déçus. Et voilà. Voilà, Witschge, le regard ailleurs. À des soirées qu'on va rapidement oublier, ce n'est pas la médaille qu'ils vont recevoir en tant que finaliste qui va les consoler. Alors que c'est une joie immense sur tous les visages. Et vous avez remarqué que Michel Prudhomme ne porte pas les mêmes maillots que ses coéquipiers. Oui. Nos amis de chez Adidas ont bien fait les choses pour les joueurs de champ. Un petit peu plus difficile pour les gardiens de but. Voilà. Donc, sur ces images de Hans de Mos et de Léo Clijsters portant la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, nous allons quitter la Méno, quitter Strasbourg avec cette belle équipe. Ah, il est content, Eliohanna. C'est Malines. Eh oui. Il rentre dans l'histoire, dans le livre des records d'un seul coup. Premier Israélien, comme vous l'avez dit, à remporter une Coupe d'Europe. Et prochain rendez-vous, Thierry. Et prochain rendez-vous samedi à minuit sport, pour même avant, pour vous faire vivre la COP, la finale de la Coupe d'Angleterre entre Liverpool et Wimbledon. Encore une bien belle soirée de football sur TF1. Mais pour l'instant, nous vous laissons. Nous quittons Strasbourg, nous quittons la Méno. Merci de nous avoir prêté attention. Bonne soirée à vous. Et à bientôt. Santiago Bernabéu, stade de Chamartin. On dit cela également dans une ambiance absolument extraordinaire pour ce que l'on peut appeler la finale avant la lettre et qui va opposer dans quelques minutes le Real Madrid sur la gauche, le maillot blanc pour l'instant, au PSV Eindhoven. Maillot bleu ciel, j'ai à mes côtés Giroud, l'entraîneur d'Auxerre, l'entraîneur heureux, puisque hier ça s'est bien passé Guy en Coupe de France, ça se présente également assez bien en championnat. Alors ce soir, Guy, je crois qu'il y a quand même deux oppositions de style, on peut dire. Oui, nous avons d'un côté le représentant de l'Europe du Nord traditionnel avec une Hollande des Pays-Bas renaissante, qui est un peu inquiétant pour la France qui se trouve dans le même groupe. Ces Hollandais étant remportés par trois Danois. Et de l'autre côté, le plus beau fleuron du football latin, sur le plan de l'histoire et sur le plan du football actuel, c'est-à-dire le Real Madrid, qui lui compte dans ses rangs.